moyenne ici, c'est 35 à 42 euros au ticket moyen, mais eux, c'est à 70, 90, 100 euros par personne en ticket moyen. Donc là, nous sommes sur le site de la Salinor, un site qui a été en érosion sur la période de 2013-2014, avec des répits à partir de 2015. Donc sur cet endroit, on avait une falaise d'érosion de 4 à 8 mètres en fonction des secteurs, au plus près du poste de secours. Donc à partir du moment où les érosions se sont calmées, là on a pu accompagner les phénomènes naturels et capter les sédiments présents. Donc par la pose de filets coco, puis de ganivelles, hein, on en est à la quatrième génération de ganivelles posées sur le site. Elles font à peu près un mètre de hauteur. Et puis ouverture de branchage et plantation, une fois que l'on a eu le profil un peu idéal. Donc ça a été remodelé, mais avec l'aide du vent.